tu te réveilles à 4h du matin, ta mère quoi met dessus. Je parle des imams là, lui qui est là, puis parle de Alassane Ouattara. Mais vous êtes d'après vous à la mosquée, et c'est de la cause qui va vous parler. Mets le corps de tous ceux qui sont en train de prier. Vous mettez le corps de vos bagages pour mettre dessus. Mets le corps de vos cousins, mets le corps de vos chefs du village, mets le corps de vos aïeux et mets le corps de vos petits soeurs. Et même ceux qui ont marié vos petits soeurs, mets le corps pour mettre dessus. Là, moi, c'est pas bien. Assimil Goïta, viens, c'est ton dernier endroit de mérite. T'as mets le corps aujourd'hui, mets le corps de ta femme, mets le corps de tes enfants et mets le corps des enfants qui vont marier. Un petit pas bien là. T'es nul à toi. Vous faites vidéo, ça en est à la mort. Johnny Pacheco. Je pense pas qu'en faisant ça, tu es en train de laver l'image de Alassane Ouattara. Hein. Tu es plutôt en train de saler son image en tenant ce genre de langage là. Tu es quel genre d'intellectuel? Tu es quel genre d'intellectuel? Tu as déjà vu combien des intellectuels ou bien des politiciens qui tiennent ce genre de langage là? Même votre président, il est charismatique. Quand il parle, il est toujours douce. Et ça qui tue même certains gens, sa manière même de parler. Même si ses actions, parfois, n'y sont pas bien. Mais sa manière déjà de s'adresser, de parler, ça tue même l'esprit de certains gens. C'est comme ça qu'un politicien fonctionne. Ce n'est pas d'être radical, insulter, mettre contre de tout le monde, mélanger tout le monde. Tu ne penses même pas aux Ivoiriens en faisant ça. Ça veut dire que toi-même, tu n'aimes pas déjà les Ivoiriens. En tenant les Anglais, tu ne sais pas qu'il y a les Ivoiriens qui sont au Mali et il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas qu'il y a les Maliens qui sont mariés aux Ivoiriens et vice-versa, qui vivent même peut-être au Mali ou bien en Côte d'Ivoire ou bien même en Europe. Tu ne sais pas qu'il y a même les Maliens qui traitent des affaires avec les Ivoiriens. Tu ne sais pas que demain, tu connais d'où tes enfants peuvent se retrouver demain. Lorsqu'on parle, on précise. Lorsqu'on veut insulter, parfois c'est normal, nous tous, parfois on s'énerve, on insulte. Moi-même, je suis les Camerounais sont des maudits, mais je précise toujours, pas tous les Camerounais, à certains Camerounais, et surtout ceux qui vont venir m'insulter. Et tous ceux qui vont m'insulter. Et mon but même, ce n'est pas pour insulter, pour indexer, ou bien pour faire la promotion de la haine et toutes ces choses. Ce n'est pas mon but. Mon but, parfois, c'est pour ouvrir les esprits des Camerounais. Que hey, vous dormez, vous êtes en mode avion, levez-vous. Vous êtes en train de dormir là depuis, levez-vous, vous êtes toujours en mode avion. C'est mon but. Mais ce n'est pas que je déteste vraiment mes frères Camerounais ou bien mes frères Ivoiriens ou bien je déteste les Africains. Mais toi, ce que tu fais là, ça montre que tu les détestes. Pour quelle raison? Les Maliens t'ont déjà fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Les Maliens t'ont fait quoi? Assimil Goïta vous a déjà fait quoi? Tu as plus de 50 vidéos que tu insultes les Maliens et leurs présidents. Ce peuple qui est aujourd'hui dans tout genre de sanctions, qui souffre, ce peuple qui souffre. Tu passes ton temps à les traiter de tous les noms, mon frère, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on protège. Quand tu aimes, si tu aimes vraiment Ouattara là, ce n'est pas les genres de propos que toi, tu dois tenir sur son nom. Ce n'est pas comme ça que tu dois combattre les autres. Ce n'est pas de cette manière-là. Tu pouvais insulter celui qui a... on appelait Malamo ou quoi. Tu pouvais l'insulter. Celui qui a parlé mal de Ouattara, tu pouvais l'insulter. Maintenant, tu insultes. Tous les Maliens, même ceux qui sont mariés, même les Ivoiriens, tous les insultes, attends, est-ce que tu es vraiment un intellectuel? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Est-ce que tu es vraiment crédible? Tu es crédible? C'est comme ça que les Africains, nous devons vivre? Ça, c'est l'avenir de l'Afrique, ça? Quel exemple tu montres aux mineurs? Parce qu'il y a aussi les mineurs qui suivent tes vidéos. Quel exemple tu les montres? Qu'il faut détester les autres Africains, il faut les insulter, mettre contre tous ces conneries. C'est pour ça que moi, je ne suis pas étonné que tu as voulu être député dans ton pays et tu n'avais que 12 voix ou bien 3 voix ou bien 2 voix, je ne sais pas. Alors que tu as les milliers de followers sur Facebook. Tu avais plus de 500 000 followers le temps là.
Mais tu as déposé ta candidature. Non seulement tu as choqué les gens partout, mais tu as eu combien de voix? Et parce que les gens qui viennent t'écrire là, quand tu insultes les mecs contre les gens, tu insultes. Ces gens viennent seulement écrire seulement parce qu'ils veulent écrire. Mais ils ne te prennent pas au sérieux. Ils ne te prennent pas au sérieux. Tu as tout fait ici là, mais même Ouattara même, il ne t'a jamais accordé même 3 secondes pour prendre une photo avec toi, pour te lancer. Parce qu'il ne veut pas salir son image avec toi. Et tout passe ton temps à insulter, à semer seulement la haine, la xénophobie. Tu peux insulter ton pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas de problème. C'est ton pays. Tu es fâché contre ton pays. Tu peux dire certains, tu peux avancer certains mots. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Mais en allant insulter les autres pays, les autres, ton pays, vous êtes déjà même les mêmes peuples, vous êtes les frères. Ne seulement que les pays sont devenus souverains, les pays sont souverains, mais vous êtes toujours les frères. J'insulte tout le monde, tu me dis, est-ce que c'est bien? Moi, je ne peux pas me permettre d'insulter tous les Ivoiriens. Je ne peux pas m'insulter d'insulter tous les Ivoiriens ou bien tous les Camerounais. Tu sais même, tu ne sais pas que même au Mali, là, il y a les Maliens qui ont la même vision que toi. Qui te soutient, qui te suit. Même temps que tu es arrivé, tu t'en fous, tu suis, ce n'est pas ton problème. Non, tu traites désormais avec des grandes personnes. Donc, il faut insulter tout le monde. Tu traites qu'avec les autorités. Donc, il faut insulter tout un pays, tu t'en fous, tu es trop en sécurité. Imagine que le pays que d'où tu es en Finlande, si les Finlandais se lèvent pour t'insulter aussi, qu'ils salent Ivoiriens là, ceci, c'est là. Tu serais content. Tu serais pas la première à venir crier partout ici, là, sur la toile. Oh, les Finlandais sont racistes, sont ceci, là. Voilà seulement ta page qui a des problèmes. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne passes pas ton temps à dire que vraiment, les gens, ce sont méchants, ils nous combattent. Ce n'est pas ça. Mais tu prends le plaisir d'aller insulter tout un pays. Les traiter de tous les noms. En oubliant que c'est juste de la politique qu'ils font. Ouattara fait sa politique avec la France. Et sa politique là, ça ne lui permet pas de soutenir certains pays africains. Ça ne lui permet pas. Il protège les intérêts de la France. Ce n'est pas que je dis parce que je vais déléguer le président. J'aime ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Je le soutiens pour son travail qu'il fait en Côte d'Ivoire. Pour le développement qu'il fait, je le soutiens. J'aime les gens qui font du bien.